Je connaissais un couple de résistants qui étaient j'avais réfugié chez eux. C'était donc le soir. Il était bien 6 heures. Hein. C'est que fallait que je devais donc quitter chez ces gens-là. Ils s'appelaient le Bourgeois. Alors, ils me reçoivent. Alors, je leur explique. Oh, même dit. Puis moi, ma femme, elle avait peur. Elle dit, mon mari, il est sur la liste des otages. S'il y a quelque chose, il va être ramassé. Écoute, ce soir, à 11 h, quand il fera nuit, parce qu'il y avait le couvre-feu, il ne fallait pas dépasser 11 h ou minuit. À 11 h, tu montes. Tu as une usine désaffectée à Taverny, tu montes l'avenue de la République, là, et puis tu iras te cacher là, tu passeras la nuit, tu seras tranquille. Bon, ils m'ont donné à manger, tout ça. Et je pars à 11 h, et je marchais pourtant sur le trottoir dans l'herbe. Je faisais pas de bruit. Je m'en éloignais, j'avais peut-être de 3 km, vers 3 km et demi, je sais pas, pour aller à Taverny. Mais pensez-vous, j'ai pas fait. Fait à peine 500 mètres, oh, projecteur en pleine figure, éclairé. Deux Allemands avec le fusil. Monsieur Papir, comme Papir, j'ai aucun papier, j'avais un revolver puis des cartes d'alimentation. La mairie de Taverny. Faut être jeune hein, parce que les trucs comme ça, je ne leur ferai pas maintenant, je vous le dis franchement. Alors, Nixerstein qui me dit papier, puis le canon de fusil sur le pouce. Je pousse un truc et tire, tendouille. Ça m'a. Moi, j'ai pris mes jambes à mon cou, et puis autour des arbres, parce qu'il y a des platanes comme ça sur cette avenue de la République, qui était l'avenue du maréchal Pétain, certainement à ce moment-là. Maintenant, ça s'appelle l'avenue de la République. Et ils m'ont tiré dessus. Mais ils visaient la tête, parce que les balles, elles me passaient là, et ça ricochait sur les arbres, ça faisait des étincelles. Mais ils m'ont pas touché, puis moi j'ai pas tiré. Premier chemin à droite, je prends, puis j'arrive sur la voie ferrée. Arrivé sur la voie ferrée, je reviens sur moi pour revenir chez eux. Les Allemands, ils ont couru, ils ont cavalé, ils ont cru que j'allais toujours dans la direction, mais moi j'avais fait mon demi-tour sur la voie. Sur la voie, puis je retourne chez les Le Bourgeois. Oh, ils avaient entendu les coups de feu, ils étaient aux 400 coups. Alors ils m'ont caché dans leur garage sous un tas de paille, sous la bagnole, ils ont mis la paille sur moi, dit tu dormiras là-dedans. Et puis ne bronche pas. Les Allemands sont pas venus. Alors le lendemain matin, on dit va falloir que tu partes. Mais on va attendre bien que la matinée soit passée. On va envoyer la fille, elle s'appelle toujours Colette, elle est toujours vivante, elle. Colette, tu vas chercher au pain. Alors elle va au pain, et puis elle revient et dit « Oh, les boulons !» Il y avait des ménagères. Il y a eu des morts, toute la nuit, ils sont battus, etc. Il n'y a pas un mort, il y a un blessé. Il y avait des...